un cadeau généreux que la reine d'Angleterre a fait à son petit-fils Harry et son épouse Meghan. Selon une source proche de Buckingham Palace, Elizabeth II aurait offert au jeune couple l'Adelaide Cottage, une résidence nichée au cœur du parc de Windsor qui a été l'adresse de Peter Townsend, le compagnon de la princesse Margaret. Selon la source, Meghan Markle et le prince Harry, malgré leur emploi du temps chargé, ont trouvé le temps de visiter la demeure qui s'apprête à les accueillir prochainement. Buckingham Palace n'a pas confirmé l'information. La source précise, il y a 7 entrées et sorties au château de Windsor donc les jeunes mariés pourront aller et venir sans avoir peur d'être photographiés par des paparazzis. À l'Adelaide Cottage, Meghan Markle et le prince Harry profiteront d'une propriété proche de Londres, des appartements privés de la reine d'Angleterre et du duc d'Edimbourg et juste à quelques kilomètres du club de polo où Harry a ses habitudes. Le jeune couple s'apprête à commencer une nouvelle vie. Doublement pour Meghan Markle qui vient de dire adieu à sa carrière de comédienne à Toronto et qui découvre actuellement son nouveau statut de duchesse du Sussex.